Et oui, c'est Halloween, vous êtes sur Quai de le Chaos, c'est l'exclu. Alors, on a le masque, on est en mode Covid, mais ça ne nous empêche pas de nous amuser. On est dans un tram exclusif qui parcourt Bruxelles, grâce au musée du tram, grâce au musée d'art fantastique. Voyez cette ambiance, voyez ce délire. Cette vidéo, donc, est une fois de plus exclusive. Allez, je vais rencontrer l'organisateur de cette vidéo, qui a un nouveau-né à nous présenter. Mais comment il s'appelle ce petit, dis donc, il est tout mignon. Jean-François Ier. Alors, tu nous as invité à partager avec toi un moment exclusif, car nous sommes dans un tram qui traverse Bruxelles. Oui. Comment t'as eu cette idée de génie? Parce qu'il fallait bien. L'Halloween Festival n'aurait pas eu cette année, donc il fallait bien qu'on ait notre Halloween Festival et que je montre à tous les Bruxellois. On sera l'année là, l'année prochaine, en 2021, pour un Halloween explosif. Et donc, est-ce qu'il y aura ce tram, ce parcours du centre-ville avec ce tram? Bien sûr, l'année prochaine. Ben, un tram, peut-être plusieurs, on ne sait jamais. C'est vous le public qui devez venir, voilà. Et est-ce qu'il y aura ces feux d'artifice, ces rassemblements que tu as fait chaque année? Je l'espère. Je l'espère retrouver mes 5000 amis. Je l'espère rencontrer tout le monde pour cet Halloween Festival qui est un des plus grands événements à Bruxelles. Sincèrement, à chaque fois, c'est du délire, c'est une belle fête. Une fête un peu critiquée par moments, non? En disant, regardez, tout ça, c'est monstre et tout. Regarde-tu tous? Moi aussi, on commence à avoir la gorge prise. Qu'est-ce qu'on peut dire à tous nos détracteurs? Parce que c'est une belle fête familiale quand même. C'est une fête familiale et c'est certainement pas une fête américaine et que les Américains l'ont inventée. Vous vous êtes trompés. Faites ça en famille, mettez un vieux tissu sur votre tête, faites peur à votre voisin et mangez des bonbons. C'est bon pour les caries. Regardez-le. Et toujours, le musée d'art fantastique est toujours ouvert. Le musée d'art fantastique est fermé. Jusque, on sait pas quand, parce qu'on suit les normes du CNS et on est fermé. Donc fermé pour le moment, mais réouvert bientôt. On l'espère. Oui. Parce que la trésorerie devient de plus en plus dure. Je pense que pour tous les milieux culturels, artistiques, tout devient dur. Et voilà, on essaye. J'espère que c'est pas la dernière fois qu'on se voit sur les réseaux sociaux ou dans une vidéo. J'espère qu'on va se revoir, mais ça devient dur pour tout le monde. Regardez le reportage au-dessus de mon doigt là. Vous avez le lien au-dessus de mon doigt. On avait fait un super reportage. Regardez, il y a le lien aussi là. Oui, lien, là. C'était en mode Covid aussi, le reportage. Rappelle-toi, c'était le mode Covid. Oui. Premier Covid. Et là, deuxième Covid. La vague du deuxième Covid. Voilà. Mais on est toujours là. On est toujours là. Et on fait toujours une vidéo. Et voilà. Tu es toujours vivant. Bien sûr. Allez, je visite ton tram. Et courage à tout le monde et à tous les aides-soignants aussi qui font un boulot de dingue. Il faut quand même aussi, si même si on fait les oiseaux, à tous ces gens-là qui boulottent là pour le moment. Oui, parce qu'on leur laisse quelques macabres voilà. Ici, nous, quand même. Hein. Voilà. Avec le tram, on en écrase plus d'un quand même. Voilà. Allez, excellent. On arrive à destination. Waouh, j'ai manqué de tomber, mais ça, c'est une habitude dans Kidol Conso. Et elle, est-ce qu'elle va tomber ou pas? Pas sûr, non. Allez. Le tram traverse le centre-ville, traverse toute la ville. Oh, elle a un petit bébé, regarde. Il est mignon, ils ont fait des jumeaux. Comment il s'appelle le chouchou? Igor. Igor. Ah, ça me fait penser à Grishka. Tu te rappelles ces deux-là? Oui, bien sûr. Délire, on est dans ce tram. Regardez les gens, comment ils nous matent, comment ils regardent dehors. Ils se disent, mais c'est quoi ces faux furieux dans ce tram bizarre? Eh ben, c'est le tram Halloween. Voilà, on est parti. Ça bouge, ça tremble, hein, c'est normal. Regarde, ça, je l'avais dit dans mes lives tout à l'heure. Hein, si vous avez vu, j'ai la chance d'être avec le chauffeur, à côté du chauffeur. On dit en temps normal, parlez pas au chauffeur. Et bien aujourd'hui, je lui parle, je lui raconte ce que je veux au chauffeur. Ah. Donc, ce tram est parti du musée du tram, oui. Qui se trouve à Tervuren. À Woluwe. Woluwe ? À Woluwe. Bon, il me casse mon plan. Bon, ok, Woluwe. Et on va en direction de Place Flagey. On y est bientôt ? On y est. C'est on y est arrivé ? On y arrive. Merde, je vais débarquer, je vais vous quitter les amis. Mais non, je descends. Tom, je récupère ma progéniture malsaine en citrouille. On descend, on filme le tram et il va repartir. Il arrive, regardez, il était avec moi. Et oui, ce soir, Tom était là avec nous. Viens, Tom, quitte ces gens infâmes, ces gens. Regarde, moche. Ah oui, toi aussi d'ailleurs, t'as un truc. Ouais. Ça se décompose chez toi aussi. Allez, on est parti. On va sortir là. On va remercier tout le monde. Toute l'équipe de fous. Tous ces gens qui se posent des questions. Alors, moi, je te remercie encore 1000 fois. Merci. Voilà, je vais te faire un coucou. À très bientôt. Le tram va repartir. Je suis là, mes amis. Voilà. Allez, sale bête. Allez, ciao. Voilà, alors c'était Kidol Conso sur Action Toy avec notre partenaire et ce tram est en train de partir. C'était le tram de l'Halloween, le tram du musée du fantastique et on a eu l'exclusivité d'y être et d'être dedans dans ce tram. Allez, les amis, ça c'était de l'exclu, c'était chouette. Et c'était avec Tom, viens nous voir. Et nous, on va continuer la fête d'Halloween. Et rejoignez-nous sur Kidal Conso. Like.
partage et mets des pouces et des pouces et des pouces. Ciao, ciao les amis.